Coucou vous! La dernière fois, je vous parlais d'un très bon souvenir d'anniversaire où ma sœur m'avait fait un délicieux gâteau à l'épeautre et j'en ai fait une vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, mettez sur pause, allez voir cette vidéo et ensuite revenez. Bref, en tout cas, cette année, ma sœur m'a encore fait un très bon gâteau et cette fois au citron. Il est tiré de ce livre, je pense que certains d'entre vous peuvent peut-être le connaître. Il est assez connu et il y a je ne sais pas combien de recettes. Mon petit défi, c'est vraiment d'essayer d'en faire un maximum. En tout cas, j'avais envie de reproduire ce gâteau parce que c'est vraiment le meilleur gâteau au citron que j'ai goûté. Il est très moelleux, il n'est pas friable, il est léger. Il est indétrônable. Je commence par zester les deux citrons dans un petit récipient et ensuite je vais les presser. Maintenant, je vais séparer les blancs des jaunes. J'ajoute la moitié du sucre dans les blancs avec une pincée de sel, puis je les monte en neige bien ferme. Dans un autre récipient, je vais battre les jaunes d'œufs avec le reste du sucre pour bien faire blanchir le mélange qui va doubler de volume. Une fois qu'il a cette belle texture, j'ajoute le beurre mou, je bats quelques secondes, puis j'ajoute la farine, le zeste de citron, puis la levure. La pâte doit être assez épaisse. Maintenant, j'ajoute la moitié des blancs en neige et je ne vais pas hésiter à bien mélanger pour détendre la pâte. Puis j'ajoute la seconde moitié des blancs, mais cette fois en mélangeant délicatement avec une spatule pour ne pas les casser. Enfin, j'ajoute la moitié du jus de citron. Je verse la pâte dans un moule bien beurré et fariné et j'enfourne 35 minutes à 190 degrés. Et en fin de cuisson, je vérifie toujours que le gâteau soit bien cuit avec un petit pic. S'il n'est pas tout collant, c'est bon. Je vais laisser le cake refroidir complètement et en attendant, je prépare le glaçage en mélangeant du sucre glace avec le reste du jus de citron. Les quantités précises sont indiquées en barre d'infos. Pour que le glaçage soit bien blanc et qu'on ne distingue pas la croûte du gâteau en transparence, le glaçage doit être assez épais. Le gâteau a complètement refroidi, je vais couper son chapeau pour pouvoir le retourner et glacer le côté bien plat. Et pour ça, vous devrez immédiatement manger le délicieux morceau de gâteau que vous venez de couper. En plus, ça va vous permettre de vérifier la qualité du gâteau avant de le servir à vos invités, donc c'est vraiment une étape incontournable. Ensuite, on retourne le cake et on va verser le beau glaçage. Vous pouvez incliner un peu le gâteau pour qu'il s'étale un peu plus vite. Vous n'êtes pas obligé de tout verser d'un coup, ça fera peut-être trop, donc n'hésitez pas à le faire petit à petit. Sur le dessus, je mets des petites fleurs séchées comestibles et des zestes de citron vert pour apporter une petite touche de couleur. Et voilà, ce beau cake au citron est fin prêt à être dégusté. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous refaites ce gâteau, dites-nous vraiment ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à plus pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à vous abonner.